C'était prompt. Non, vraiment, j'étais très heureux et touché d'être invité ici. D'abord parce que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour la culture italienne, pour le cinéma italien. Si je parle un petit peu italien, c'est parce qu'il y a de cela 25 ans, j'ai appris l'italien pour essayer de lire Calvino sans traduction. Et parce que j'avais l'impression que la littérature italienne au XXe siècle était beaucoup plus importante que la littérature française. Et que dans l'histoire des arts, les Italiens avaient réussi quelque chose de très fort au XXe siècle, qui était la jonction du théâtre, du cinéma, de la littérature et de la politique. C'est-à-dire quand on lit les écrits de réalisateurs ou d'écrivains, on se rend compte que le monde du théâtre avoisinait celui du cinéma et celui de la littérature et qu'il y avait une sorte d'osmose autour de la discussion politique et sociétale. Et ça, nous, les francophones, les Français, on n'y est pas aussi bien arrivés. Et donc je suis très impressionné toujours par la culture italienne. Ce qui me fait toujours beaucoup de peine de parler l'italien aussi mal, c'est parce que ça ne traduit pas le respect que j'ai pour la culture italienne. Donc, j'étais très heureux et honoré d'être invité ici. Et puis surtout, je trouve que le catalogue est un objet vraiment formidable. Et les festivals, c'est quelque chose qui permet aux gens, en général, juste d'avoir un avant-goût, de pouvoir s'immerger pendant quelques jours dans l'œuvre de quelqu'un. Et puis après, c'est à eux. Le travail d'un festival, c'est un peu comme de faire un spritz, c'est un apéritif à une œuvre. Et après, c'est aux spectateurs d'aller plus loin s'ils le veulent et de chercher. Mais cette première poignée de main, en fait, qu'on fait avec le spectateur, nous, les réalisateurs, on est des manchots. On fait des films et après, il faut que quelqu'un vienne nous tendre la main et passe la main au public. Et cette année, le festival rend hommage à Serge Danet. Et Serge Danet, c'était un passeur. Comme ça. Et je trouve que le travail que vous faites ici, c'est un travail de passeur. C'est passer plus loin. Et comme moi, je viens d'abord de la cinéphilie, d'être spectateur, j'ai eu besoin de passeur. Donc je te remercie et je remercie le festival de passer plus loin mon travail. Et puis j'espère que des gens auront envie de voir d'autres de mes films.